Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Najat Parisi. Ces célébrités sont décédées dans un accident de la route en 2022. Cette photo montre l'actrice Anne Esch lors d'une cérémonie de remise de prix en mars 2022. La célèbre actrice ne pouvait pas imaginer à l'époque que, quelques mois plus tard, elle perdrait la vie à la suite d'un grave accident de voiture. Malheureusement, elle n'est pas la seule célébrité à être décédée dans de telles circonstances en 2022. Lara Cleaver le 24 octobre. L'influenceuse brésilienne Lara Cleaver Afonso est décédée le 24 octobre au Brésil après avoir été impliquée dans un accident de voiture sur une route de São Paulo. Elle ne voyageait pas seule, puisque Dara, sa sœur jumelle, également influenceuse, était à ses côtés. Contrairement à Lara, Dara s'en est sortie. L'hypothèse principale est que Lara, qui conduisait le véhicule, s'est endormie au volant. Leslie Jordan le 24 octobre. Le célèbre acteur américain, connu pour son travail dans des séries telles que « Will and Grace » et « American Horror Story », a perdu la vie le 24 octobre 2022, à l'âge de 67 ans, dans un accident de la route à 3 km du Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Quelques secondes avant l'accident, l'acteur aurait eu une crise cardiaque qui lui aurait fait perdre le contrôle de la voiture. Willie Spence le 11 octobre. Le chanteur Willie Spence, 23 ans, connu pour sa participation et sa deuxième place à la saison 19 de l'émission de talent, American Idol, a été tué dans un malheureux accident de la route dans le Tennessee. Le véhicule de Spence a percuté l'arrière d'un camion alors qu'il conduisait son SUV d'Atlanta au Tennessee. Victor Stiman le 11 octobre. Le 11 octobre, le pilote de moto néerlandais Victor Stiman a perdu la vie dans un malheureux accident de moto lors du Grand Prix du Portugal. Il n'avait que 22 ans. Sa mère, Flora van Limbeck, est morte 2 jours plus tard d'une crise cardiaque. Roger E. Mosley le 7 août. Roger E. Mosley, célèbre pour son travail dans la série policière des années 1980, Magnum, est décédé le 7 août à l'âge de 83 ans dans un accident de voiture à Linwood, en Californie. Anne Esch le 11 août. L'actrice et productrice américaine Anne Esch, connue notamment pour sa prestation dans le film « Souviens-toi l'été dernier » de 1997, est décédée le 11 août à la suite d'un accident de voiture. 5 jours plus tôt, le véhicule qu'elle conduisait s'était écrasé contre une maison à Los Angeles. Elle avait 53 ans. Raimundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar le 16 juin. Les acteurs Raimundo Garduño Cruz et Juan Francisco González Aguilar ont perdu la vie le 16 juin dans un tragique accident de la route au Mexique, où ils tournaient la série Netflix, The Chosen One. Quelques heures plus tôt, ils avaient pris une photo avec une partie du casting. Rulio Jiménez le 8 juin. Rulio Jiménez, légendaire cycliste espagnol, est décédé le 8 juin à l'âge de 87 ans à l'hôpital Nuestra Señora de Sonsol d'Avila. Il a été admis à l'hôpital pour des blessures subies dans un accident de voiture. Que s'est-il passé? Sa voiture a percuté un mur à Avila, à la sortie de la station de lavage appartenant à un autre cycliste, Angel Arroyo. Jeff Gladney le 30 mai. Jeff Gladney, 25 ans, cornerback des Arizona Cardinals, a été tué dans un accident de voiture sur Woodall Rogers Highway à Dallas. Le véhicule dans lequel se trouvait l'athlète dépassait la limite de vitesse. F.
Freddy Rincón le 13 avril. Freddy Rincón, joueur et entraîneur de football colombien que nous avons vu jouer pour l'équipe nationale colombienne et le Real Madrid, est décédé le 13 avril 2022 à l'âge de 55 ans dans un hôpital colombien, des suites de blessures subies dans un accident de la route, survenu le lundi 11 avril dans la ville de Cali. Apparemment, la camionnette dans laquelle il se trouvait est entrée en collision avec un bus. Zoé Sozo Bettel le 18 février. Miss Alabama 2021, Zoé Sozo, est décédée à la suite d'un accident de voiture survenu le 10 février à Miami, qui l'a laissée dans le coma et avec d'importantes lésions cérébrales. Yacoub Gourecki le 7 février. Le coureur tchèque Yacoub Gourecki, 16 ans, est décédé le 7 février après un accident survenu lors d'un entraînement en mini-bike sur une piste en Slovaquie. Il était l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs du motocyclisme et avait remporté la Northern Talent Cup en 2021. Larry Hribarne le 28 janvier. Larry Hribarne, chanteuse, vocaliste et claviériste du groupe basque Diabolo Kiwi, est décédée le 28 janvier à l'âge de 24 ans dans un accident de la route dans les Pyrénées-Atlantiques. Le véhicule dans lequel se trouvait l'artiste est entré en collision avec un sanglier. Ahmed Salek le 11 janvier. Ahmed Salek, joueur de football turc de Konyaspor et ancien joueur du Galatasaray, est décédé le 11 janvier après un accident de la circulation au sud d'Ankara. Il avait 27 ans. Deon Lendoré le 10 janvier. Le médaillé olympique de Trinité et Tobago Deon Lendoré, médaillé de bronze du 4 par 400 mètres à Londres en 2012, a été tué le 10 janvier dans un accident de la circulation au Texas, États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, avez-vous trouvé l'intrus ? N'oubliez pas de laisser la réponse en commentaire et de vous abonner.